dire un peu comment tu te sens après cette première victoire? Bah, je suis content et je reste un peu sur ma faim parce que l'adversaire n'a pas souhaité continuer. Donc ouais, je suis content et déjà sur ma faim parce que j'ai pas montré ce que je savais faire, notamment mon arme principale, c'est-à-dire d'utiliser le jab. Là, j'ai beaucoup utilisé le bras arrière. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. En fait, ce combat-là, c'est que de l'expérience parce que c'est quelqu'un qui vient du sol. C'est un grappleur, c'est un ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il a été champion plusieurs fois en compétition de Jiu-Jitsu au Brésil. Et franchement, j'ai tenu face à lui au sol. C'est-à-dire qu'il était sur moi et j'ai réussi à défendre. Je suis content sur ça parce que c'est que de l'expérience en fait. C'est que de l'expérience. Il est même venu me voir, il m'a dit mais t'as fait du Jiu-Jitsu, c'est pas possible, alors que non, mais je suis content, c'est de l'expérience. C'est pas un striker, je tombe sur un grappleur et c'est une opposition de style. Donc ouais, franchement, je suis content. Qu'est-ce que ça va nous dire un peu de ta future carrière de combattant de MMA? Bah, forcément, ça me donne envie de continuer, pour montrer au public encore plus de choses. Parce que là, j'ai pas tout montré et je suis un peu frustré par rapport à ça parce que j'ai vraiment pas tout montré. C'était un bon combat, c'était physique. Franchement, physiquement, j'étais là. Malgré les amener au sol, malgré tout. J'ai démontré que je suis un vaillant. Franchement, il m'a amené deux fois au sol. Deux fois, il était sur moi, il a essayé de mettre des coups. Non, je lui ai montré que j'avais le cœur. Maintenant, faut que je mette plus en place le game plan et notamment mettre en valeur mes atouts. Ouais, parce que du coup, tu penses que ton anglais, ça a été vraiment ton point fort durant ce combat? Exactement, je l'ai beaucoup touché en anglaise. Notamment, en fait, c'est surtout avec le bras arrière que je l'ai touché, le percute, il a été sonné, et voilà. Après, c'est ce qui me manque, c'était le sol, hein, parce que à un moment, il est au sol, je suis dessus, mais j'ai quelques lacunes à ce niveau-là, et ça, je vais vraiment le bosser, je vais bosser à fond. Est-ce que tu peux dire un mot pour les lecteurs de Box Mag? Box Mag, merci pour ce que vous faites. Déjà pour la boxe, pour les MMA et allez suivre Box Mag hein, parce que c'est le top du top. Je te remercie beaucoup.